Comment ça se fait qu'on s'est engagé sans être obligé dans un combat qui s'appelle la résistance, sans être obligé, et comment ça se fait qu'on y est resté quand on a vu que c'était dangereux ? Voilà. Oui, ça est bien que je la trouverai. Moi, je suis grande, je me lève. Obligatoire, j'ai le décret du maréchal Pétain qui a signé un décret qui dit que toute personne d'origine juive à partir de 6 ans révolus doit porter apparent sur le côté gauche l'étoile jaune. À partir de 6 ans. Vous voyez un petit môme de 6 ans, la place que ça tient sur son t-shirt ou sur sa robe. Cette résistance, elle n'est pas caractérisée au début par une grenade qu'on a dans la poche, ni par une mitraillette et pam 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 derrière un platane en attendant que passe un détachement allemand. Elle est caractérisée par des gens qui refusent des choses qui leur paraissent inacceptables et qui volontairement désobéissent aux ordres de leur pays pour se lancer dans une autre aventure qui est celle de la résistance.